Bonjour Anissé. Bonjour Pierre, bonjour Marlène. Votre innovation ce matin devrait plaire à tous ceux qui téléphonent dans des endroits bruyants. Il s'agit d'un système qui coupe automatiquement tous les bruits de fond. Oui, vous savez, la personne qui vous appelle en pleine rue ou dans un hall de gare, aujourd'hui, elle est obligée de crier pour se faire entendre. Et ben demain, elle devra appuyer juste sur un petit bouton. Écoutez un classique, hein, quelqu'un qui parle au milieu du brouhaha d'un restaurant. Alors maintenant, écoutez la même chose que ça donne quand on appuie sur le bouton ou quand on supprime les bruits de fond. Ouais, on a l'impression qu'il est sur le Mont Everest, hein, le mec. Hein. Mais au moins, c'est plus clair. C'est une fonction qui va arriver sur nos téléphones. Oui, c'est une technologie qui a été développée par les ingénieurs de Google. Et l'objectif, donc, c'est à terme hein, de vraiment l'intégrer à tous les téléphones Android. Mais évidemment, ça sera pour avoir des conversations beaucoup plus claires, mais aussi pour que l'assistant puisse mieux comprendre quand il y a du bruit. Par exemple, quand on essaie de programmer un GPS et que les enfants sont en train de crier derrière dans la voiture. Ok, Google. Navigate to water. Et bien avec ce système, on pourra ne conserver que la voix. Écoutez ce que ça donne. Ok Google, please navigate to water. Et c'est pour quand? Alors ça, il n'y a pas encore de date, mais si ça vous intéresse, moi je vous recommande une application qui fait quasiment la même chose, mais cette fois pour les conversations Skype sur ordinateur. Ça s'appelle crisp.ai, crisp.ai. C'est gratuit et ça supprime tous les bruits de fond, tout ce qui n'est pas des bruits de voix humaine. Essayez-le, c'est vraiment bluffant.